le XF HEVC, eh bien ça te permet d'avoir donc du 4K encodé 422 10 bits HDR sur des petites cartes SD comme ça. C'est beau ça. Ouais, reste sur ses pieds. Et regarde, on est sur lui, on est sur lui, on est sur lui. Il vient vers nous. Et donc, tu vois, le point va être suivi. Pour la mise au point, on a trois modes. On a la mise au point manuelle où on a un petit focus guide. On a une mise au point assistée. Là, pour le coup, on va faire notre mise au point manuelle et quand il va reconnaître le sujet, il va affiner automatiquement. Et le troisième mode, c'est une mise au point totalement automatique. Intéressant à voir. Je vais enclencher le slow motion pour voir ce que ça peut donner en slow mo maintenant ça. Je suis 4 fois plus ralenti, c'est lui. Hop, on enclenche, c'est parti. Cette optique est une optique 4K sérielle. J'ai la main sur mon zoom, mon focus et mon diaph. Zoom grand angle 15 fois en 4K et 30 fois en Full HD. Grâce au Sumo d'Atomos, le 19 pouces, je peux à la fois enregistrer mes rushs en 4K et voir le HDR. Mais il y a une option qui est super, c'est l'option quad, où au final je peux brancher nos quatre caméras et je peux réaliser à l'aide d'un moniteur externe un programme de 4 caméras, juste en switchant sur l'écran tactile. Là tu vois, il revient. Hop, je lance le réclat. Et là je peux commuter entre le plan de Fabien, tu vois, regarde dans mon. Là c'est le mien, le plan, là je te regarde, donc je me commute moi-même. Tac, je reviens. Et tu vois, ça enregistre là, voilà, il a fini. Donc là, je coupe, et ça coupe là-haut aussi. Donc du coup, je peux vraiment réaliser un 4 cam en direct. Alors, elle a une stabilisation sur 5 axes. Elle est optique ou dynamique? Peut-être une troisième. Ouais. Alors, en son, deux micros internes devant, un micro canon qu'on peut brancher dans le XLR, l'interface XLR devant ou arrière, micro HF et une possibilité de brancher aussi des micros mini jack. Je suis sûr qu'on va pouvoir faire des belles réalisations grâce à cette caméra.